je ne me sens jamais comme chez moi dans ce monde. Oh Seigneur, Seigneur, tu sais, il n'y a point d'amis comme toi. Si le ciel n'est pas chez moi, alors que ferais-je? Oh, les anges me font signe depuis la porte du ciel. Et je ne me sens jamais comme chez moi dans ce monde. Oh Seigneur, Seigneur, tu sais, il n'y a point d'amis comme toi. Si le ciel n'est pas chez moi, alors que ferais-je? Oh, les anges me font signe depuis la porte du ciel. Et je ne me sens jamais comme chez moi dans ce monde. Tous sont à mon attente, c'est tout ce que je sais. Il y a longtemps avec Christ, j'ai bien tout arrangé. Bien que faible et pauvre, je sais qu'il me soutient. Et je ne me sens jamais comme chez moi dans ce monde. Oh Seigneur, Seigneur, tu sais, il n'y a point d'amis comme toi. Si le ciel n'est pas chez moi, alors que ferais-je? Oh, les anges me font signe depuis la porte du ciel. Et je ne me sens jamais comme chez moi dans ce monde. Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés frères et sœurs. Ok, le Seigneur est bon. Il faisait extrêmement très chaud. Il n'y avait pas moyen de se contenir. Et il a plu le matin. Et comme si cela n'était pas vraiment convenable, le Seigneur a encore ajouté une autre pluie. Et nous sommes dans la fraîcheur. Nous sommes à l'aise, n'est-ce pas? Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous lever pour lire une portion de l'Écriture. Nous sommes en psaume 105. Du verset 3 au verset 4. Glorifiez-vous de son nom. Que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Continuellement. Mes bien-aimés frères et sœurs, nous allons prier le Seigneur notre Dieu pour qu'il nous accorde une meilleure écoute de la parole de Dieu, une meilleure disposition à l'écoute de la parole de Dieu, qu'il soit avec son serviteur qui va monter du haut de la chair pour proclamer la parole de Dieu. Et qu'il soit avec nos bien-aimés qui en ce moment ne sont même pas encore arrivés, qu'il leur accorde vraiment la rapidité et le moyen de se déplacer rapidement. Prions ensemble, mes amis.
Jean-Rigobert de prier. Nande komolinga Jean-Rigobert ya usambe. Seigneur Dieu, notre Père céleste. Kolonzambe tata na biso na lola. Nous te disons merci pour nous avoir aimés et accordé le privilège ce soir de venir en ta présence. Nous venons, ô Dieu, pour que toi, nous sais que tu veux que nous soyons. Nous venons assoiffés et dans les besoins d'écouter ta parole. Puisses-tu, ô Dieu, nous donner ta parole ce soir. Saisis ton serviteur par qui tu vas nous parler. Accorde que nous recevions ta parole et qu'elle puisse changer ce qu'elle doit changer à nous. De manière que nous puissions avoir la nature de Dieu en nous et vivre comme Dieu le veut. Accorde-nous ce privilège ce soir. Conduis tous les cultes du début jusqu'à la fin. Comment se termine avec nous? Parle au travers de ton serviteur. Mets ta parole dans sa bouche. Car ta parole dans sa bouche est la vérité. Nous voudrons, ô Dieu, t'entendre, toi, ce soir. Accorde que nous puissions t'écouter, toi, le seul. Comment se termine avec nous? Bénis chacun d'entre nous. Ceux qui sont venus avec des problèmes particuliers, tu es la solution à tous nos problèmes. Toi, tu nous apportes la guérison. Toi, tu es la solution. Puisses-tu ainsi résoudre les problèmes de chacun pour que ton nom soit davantage glorifié au milieu de nous. À toi seul soit l'honneur, à toi la puissance, à toi l'adoration, dans le saint nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Veuillez vous mettre. Merci à vous, Fanda. Yesu yambanga ilelo nazali wayo seko beyo ojali nangai fanda kana motema petola petolangai pesamo santo nayo Yesu okufela kinga.
Golgotha, Kolo Yesu, O Kufe la Kinga, Nangomba, na Golgotha, O Nangomba, Nangomba, na Golgotha. Nangomba na Golgotha, Kolo Yesu, O Kufe la Kinga, Nangomba na Golgotha. Napesi koyangana mobimba bambote na kombo na Yesu Kristo. Je salue toute l'ensemble au nom du Seigneur Jésus Christ. Totelemi pona kotanga liloba na Nzambe. Nous allons nous tenir debout pour lire la parole de Dieu. Tokotanga na mokanda ya Osée. Nous allons lire dans le livre d'Osée, chapitre 4, mokapu ya mine, verset 6. Molongo ya motoba. Mon peuple est détruit libota nangai et bebisami parce qu'il lui manque la connaissance. Zambi ezangi eboyebi yango. Puisque tu as rejeté la connaissance, weto bwaki si boyebi yango, je te rejeterai. Nako bwaki sobo. Et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Pe okolongwa na bonganga nangai. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Amen. Amen. Zambe na bomoi. Dieu vivant. Pelamoko musali na yo auti ko bondela. De la même manière que ton serviteur vient de prier, tosangisi libondeli na biso na oyo ya ye. Nous réunissons notre prière avec la sienne. Kundima kaite ozali koyoka biso. Croyant que tu nous écoutes. Bosenga na biso na ntango ezali ete yo moko oloba. Notre désir à cet instant que toi-même tu puisses parler. Pe biso lokola bana na yo. Et nous comme tes enfants. Oyano la moko moko na biso sima ya koloba na yo na bosenga na ye. Que tu puisses répondre à chacun de nous après t'avoir parlé selon ses besoins. C'est pourquoi nous sommes venus ici. Quand nous allons rentrer dans nos maisons, que nous puissions glorifier ton nom, que nous puissions témoigner de toi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nakanisi mukolo dimanche. Je pense que le dimanche, nous avons un peu parlé à ce qui concerne la connaissance. Nous aimerions revenir un peu sur ce point. S'il aura du temps, nous allons ajouter encore quelque chose un peu. Mon peuple est détruit. Parce qu'il lui manque la connaissance. Zambi ezangie boyebi yango. Tu as la connaissance mibale. Nous avons deux sortes de connaissances. Boyebi ya Nzambe ezali. La connaissance de Dieu existe. Boyebi ya Satan ape ezali. La connaissance de Satan existe aussi. Oyo wana ya Satan biso tuzana bosenga na yango te. Nous n'avons pas besoin celle de Satan. Ebomaka. Ça tue. Et tanguisaka moto mosika na Nzambe. Ça éloigne la personne loin de Dieu. Kasi boyebi ya Nzambe. Mais la connaissance divine, ezayi kopesa bomoi. Cela donne la vie.
ezali ko sunga. Cela aide. Ezali ko lobana moto ete azala penza penza na sai na motema na ekona. Cela dit à la personne qu'il soit vraiment joyeux ce qui concerne Dieu. Nzambalobi, puisque tu as rejeté la connaissance. Dieu dit, puisque tu as détruit la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance. Je te rejetterai. Akobwa ki sayope. Et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Okolongwa uta na bonganga na ngai. Lokola yo boyi boyebi o ya ngai. Comme tu as refusé ma connaissance. Ngai pe na kobwa ki sayo. Moi aussi je vais te rejeter. Et na kolongola yo na bonganga na ngai. Et je vais te dépouiller de mon sacerdoce. Nde yango esalamaka na ilanga na Eden. C'est ce qui s'est passé au jardin d'Eden. Moto. L'homme. Alingaki koyoka liloba na Nzambe te. Il ne voulait pas écouter la parole de Dieu. Soki to bakisi kaka na Osée 4 verset 6, tosi sindambo etikali. Si nous ajoutons verset 4, verset 6, nous terminons la moitié qui reste. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu. Lokola obosani mobeko ango ya Nzambe na yo. J'oublierai aussi tes enfants. Ngai pe na kobosana bana na yo. Amen. Amen. Nzambe akitaki na ilanga na Eden. Dieu est descendu au jardin d'Eden. Pe apesaki liloba mobeko na ye epai na mwana na ye ya mobali. Et il a donné sa loi à son fils. Mobeko ezalaki boye ete. La loi était ainsi. Okolia mbuma nyonso ya ilanga. Tu mangeras de tous les fruits du jardin. Kasi okolia te mbuma uta na nzete ya boyebi ya malamu na mabe ezali na kati na ilanga. Et tu ne mangeras pas les fruits venant de l'arbre de la connaissance de vie et de la mort. Genèse chapitre 12, chapitre 2, technicien. C'est à partir de là. Dans Genèse chapitre 2, verset 15 à 16. Dans Genèse chapitre 2, à partir du verset 15 jusqu'au verset 16. L'Éternel prit l'homme. Yahweh a vu moto. Et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres. Tu pourras manger. Verset 16. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Kasi, okoki kolia te uta na nzete ya boyebi ya mabepe ya malamo. Car. Nzambi. Le jour où tu en mangeras, mokolo oyo kolia yango, tu mourras certainement. Okokufa solo solo. Ezalaki liloba na Nzambe. C'était la parole de Dieu. Ezalaki mobeko na Nzambe. C'était la loi de Dieu. Apesaki mwana na ye ya mobali. Il a donné à son fils. Mais koko kana na Osée chapitre 4. Conformément à Osée chapitre 4. Awa. Ici. Adam. Abwaki saki liloba na Nzambe. Il a rejeté la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que dans le chapitre 3 de Genèse. Parce qu'au chapitre 3 de Genèse. Kobanda verset à Liboso. À partir du premier verset. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. Nyaka zelaki nyamale mbe koleka banyama nyoso elanga. Que l'Éternel Dieu avait fait. Oh Yahweh Nzambe asalaki. Il dit à la femme. Alobi na mwasi. Dieu. Nzambe. A-t-il réellement dit? Solo solo ya lobaki. Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Bokoli ate uta na bantete nyoso elanga. La femme répondit au serpent. Moi si apesa ki eno et n'est pas un nyoka. Nous mangeons des fruits des arbres du jardin. Tokoli a
mbuma ya banzete elanga. Mais quant au fruit de l'arbre, kasi nawe etali mbuma ya nzete, qui est au milieu du jardin, oui, zali katikati na elanga, Dieu a dit, Nzambe ya lobaki, vous n'en mangerez point, bokole yango soki mokete, et vous n'y toucherez point, pe bokosimba yango soki mokete, de peur que vous ne mouriez. Bokufa. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Vous voyez? Dans verset 17, il y a chapitre 2. Au verset 17 du chapitre 2, Nzambalobi, Dieu dit, car Nzambi, le jour où tu en mangeras, yango, tu mourras certainement. Dans verset 4, il y a chapitre 3. Au verset 4 du chapitre 3, le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Des paroles qui se contredisent. Amen. Amen. Nzoka maloba oyo Nzambe apesa ki yango epai na Adam. Oh, les paroles que Dieu a donné à Adam. Ezalaki maloba ya bon moyi. C'était les paroles de vie. Asengelaki kobika seko na seko. Il devait vivre éternellement. Azalaki na boyokani ye na Nzambo ya kelaki ye. Il était en accord avec les dieux qu'il a créé. Mais moyini ye. Mais l'ennemi est venu. Nyoka. Le serpent. Aye ko bebis, aye ko ko kotelemela oyo Nzambe asilaki koloba. Il est venu contester à ce que Dieu a dit. Abaki siboy. Il a ajouté ceci. Mais Dieu sait que. Nzambe kasi Nzambe aye biete. Le jour où vous en mangerez. Mokolo o bokolia yango. Vos yeux s'ouvriront. Misu na bino ko fungwama. Et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangeait. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle. Et son mari en mangeait. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Okay. Amen. 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 Vous voyez? Ils ont pris la connaissance de Satan. Ils ont rejeté la connaissance divine. Nous n'avons pas besoin de la connaissance de Satan. Non. Cela amène la mort. Cela sépare l'homme d'avec Dieu. Mais la connaissance divine, cela fait que l'homme puisse connaître qui est son créateur, qui est son Dieu, qui prend sa charge. C'est seulement son créateur seul. Vous voyez? Mais ici, l'homme il a cherché à se faire lui-même agréable aux yeux de Dieu. Il a procédé de la manière que Dieu puisse se plaire à lui. Cherchant à se couvrir sa nudité. Quand il a découvert qu'il était nu, parce qu'il a obtenu la connaissance de Satan, il a rejeté la connaissance divine, il a cherché à se donner raison. Il a cherché à faire quelque chose qui pourra plaire à son Dieu. Non. Si quelqu'un est perdu, le rédempteur, c'est Dieu lui-même. Si tu tournes du bon chemin, celui qui va te ramener sur le bon chemin, c'est seulement Dieu. Ne cherche pas à rentrer sur le bon chemin par ta propre manière. C'est comme aujourd'hui, ce que les dénominations font.
Et ils pensent que Dieu sera content comme ils ont construit les églises. Dieu, tu ne peux pas l'attirer comme ça. Viens de ce côté. J'ai conçu pour toi une église. J'ai donné ton nom à cette église-là. Dieu ne viendra pas. Dieu aime. Lui-même, il commence l'église. Il appelle les gens qui lui viennent. Amen. Amen. Dans tous les âges. C'est de cette façon-là. C'est Dieu qui a donné la parole à Noé. Il a dit aux gens d'entrer dans l'arche. C'est Dieu qui a donné la parole à Moïse. Il a dit aux gens, venez, sortez de l'esclavage. C'est Dieu qui a donné la parole à Jean-Baptiste. Il a dit, préparez-vous car le Messie vient. C'est de cette façon-là à tout moment. Ne cherche pas à plaire Dieu. Ne cherche pas à faire Dieu. À connaître qu'est-ce que Dieu a dit. Si tu connais ce que Dieu a dit et tu l'appliques, c'est à ce moment-là que Dieu sera content de toi. Si tu veux faire la chose qui t'appartient, voyez comme si Dieu sera content de toi. Jamais. Ce qui montre que Dieu sera content. Amen. Dis Amen. Ouais. Adam et Ève. D'abord, ils ont rejeté la connaissance divine. Ils ont reçu la connaissance de Satan. Deuxièmement, eux-mêmes, ils ont voulu faire quelque chose qui plaira à Dieu. Quoi? Quelle est cette chose-là? Quand ils ont découvert qu'ils étaient nus, mais il fallait vous vendre dans la mutakala. Vous devez rester comme ça avec votre nudité. Que Dieu puisse venir vous donner la solution. Ils ont pris les feuilles de figuier. Ils ont construit les ceintures sur la hanche. Ils ont couvert leur nudité de feuilles de figuier. Avec pensée comme quoi? Dieu ne verra pas notre nudité. Non. Dieu connaît toutes choses. Même aujourd'hui. Ce que l'homme fait en cachette. Les hommes ne peuvent pas voir. Mais le Dieu du ciel voit. L'homme peut se cacher devant Dieu. Si tu tombes, reviens au Seigneur. Pleure devant Dieu. Dis-lui que je suis tombé. Il va couvrir ta nudité. Amen. 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 Vous voyez? Bon. Alors Dieu, comme sa parole ne passe pas, au chapitre 3 de Genèse, au chapitre 3 de Genèse, au verset 22, Bible et l'obiboy. La Bible dit ceci. L'Éternel Dieu dit. Yahweh Nzambe alobi. Voici l'homme. Tala moto. Est devenu comme l'un de nous. Akomi lokola moko kati na biso. Pour la connaissance. Pona boyebi yango. Du bien et du mal. Ya malamu pe ya mabe. Empêchant le maintenant. To pe ki sai sa sayipi. D'avancer sa main. Abele misalo boko na ye. De prendre de l'arbre de vie. Koza uta na nzete na bomoi. D'en manger et de vivre éternellement. L'homme est privé de la vie éternelle. Or, Dieu a créé l'homme pour qu'il vive éternellement. Qu'il soit comme Dieu. Qu'il vive comme Dieu. Et l'homme lui-même. Il a rejeté la vie éternelle. Il a choisi la vie de la maladie. Il a choisi la vie des tourments. L'homme a choisi la vie des souffrances. L'homme a choisi une courte vie.
Dès qu'il est né et puis il meurt. Or, Dieu a créé l'homme pour qu'il ait la vie éternelle. Comme Dieu est, qu'il soit joyeux, qu'il n'ait pas de tristesse, qu'il ne puisse pas transpirer, qu'il ne puisse pas souffrir, qu'il ne puisse pas tomber malade, qu'il ne puisse pas avoir des souffrances, qu'il soit comme Dieu. Mais l'homme a poli. Il a choisi. Ce que nous vivons aujourd'hui. Est-ce que l'Assemblée est ici? L'homme a choisi la maladie. Parce que refuser Dieu, rejeter Dieu, c'est aller loin de Dieu. Quand il va loin de Dieu, ce sont les souffrances qui viendront sur toi. Dieu a dit, il a maintenant la connaissance de bien et de mal. Maintenant empêchons-le. De peur qu'il étende sa main, le fruit de l'arbre de vie, qu'il puisse en manger et qu'il vive éternellement. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin. Jardin d'Éden. Du jardin d'Éden. Pour qu'il cultive la terre. Pour être à l'onna mabele. D'où il avait été pris. Naïsika oye azwa maki. Bima. Sors. A kende golona mabele. Va cultiver la terre. Oui, on a kanaki à malamu pona yo. C'est que j'avais décidé de bien pour toi, tu as rejeté cela. Okolia na mitoki ya ilanga yelonge na yo. Tu vas manger par ta sueur de ton fils, de ta figure. Okoyo kam passe. Tu vas souffrir. Yo mokonde olingi. C'est toi-même qui en as voulu ainsi. Mais bien-aimés, comme nous avons obtenu la grâce aux yeux de Dieu, que nous puissions bien saisir cette grâce-là, que nous puissions nous attacher fortement à sa parole. C'est Dieu qui nous a fait grâce. Vous voyez qu'ici, Dieu a cherché notre ancêtre. La raison, c'était quoi? De peur qu'il puisse obtenir la vie éternelle. Chassons-le. Au verset 24. C'est ainsi qu'il chassa Adam. Et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitaient une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie, de peur que l'homme ne revienne. Amen. Amen. C'est fini. Et s'il est. C'est fini. L'homme lui-même, il a choisi la mort. Il a choisi la maladie. Comme nous souffrons, ce n'est pas la faute de Dieu. C'est notre faute à nous. Comme nous avons maintenant une courte vie, tu nais et tu meurs, ce n'est pas la faute de Dieu. C'est la faute à nous. Amen. Tu cherches à payer les Minerva des enfants. Tu cherches à payer les loyers. Tu cherches à te nourrir. Tu cherches à nourrir la famille. Habiller la femme. Habiller les enfants. Tu fais que pour l'homme vive. Tu te réveilles chaque matin. Tu pars au marché. Tu vas les matembeler. Tu vas les pains. Pour faire tourner la maison. Ce n'est pas la faute de Dieu. C'est notre faute à nous. C'est nous qui avons voulu que ce soit ainsi. Dieu sachant que cela nous allait devenir, allait venir ainsi pour nous. Il a dit en bon. Tu as donné raison à Satan. Moi j'ai dit tu ne manges pas parce que tu vas mourir. Satan a dit non, même si vous en mangez vous n'allez pas mourir. D'accord. Ok, nous allons voir. Mon frère, il faut toujours la révélation. Mon frère, nous devons avoir la révélation. Il faut toujours la connaissance. Il nous faut la bonne connaissance.
Jusqu'aujourd'hui, la connaissance de Satan existe dans le monde. Dieu dit ceci. Lui, Satan dit cela. Moi et toi, nous avons obtenu la grâce. Cherchons à savoir qu'est-ce que Dieu veut. Ce que Dieu a dit. Et que nous puissions nous en attacher. Même si c'est dur. Sinon, nous risquerons de retomber encore comme Adam. Amen. Amen. Vous voyez? Mais Bible est l'obin abisoboy. La Bible nous dit ceci. Jean chapitre 3. Yohane mokapo misato. Bala mingi totanga kama kumi oyo. Des fois, nous, souvent nous lisons ces versets. Bala mosusu peto te ya kayango. Des fois même nous prêchons sur ça. Mais comme la kenzambe nana sungi bisote koye ba malam ndenge se. Et il arrive que Dieu nous ne nous a pas encore aidé à cerner qu'est-ce que cela dit. Et bandana na jardin d'Eden. Commençant à partir du jardin d'Eden. Ti mukolo Yesu ayaki ko bota. Jusqu'à la naissance de Jésus-Christ. Ezalaki ka bongo. C'était comme ça. Mpasi. Souffrance. Maladie. Maladie. Liwa. La mort. Minyoko. Souffrance. Kolela. Pleurs. Osaleli nzambe, osaleli nzambe. Tu sers Dieu, tu sers Dieu, tu sers Dieu. Okufi. Tu meurs. Bakundiyo. On t'enterre. La Bible dit ceci. Jean chapitre 3 verset 13. Mokapamisato molongo azomi na motoba. Car Nzambi. Dieu. Nzambe. A tant aimé le monde. Alinga ki mokili mingi. Qu'il a donné son fils unique. Asira ikopesa mwana ya likinda. Afin que. Na tinete. Quiconque croit en lui. O nyoso kondima kati na ye. Ne périsse point. Akufa soki mokete. Mais qu'il ait la vie éternelle. Kasi azwa bomo yango ya seko. Amen. Amen. Voyez, bon moi boisse la vie éternelle. Oyo nzambe apekisa ki moto na ilangana Eden. Tu dis à l'homme au jardin d'Eden. Talangolu. Voilà la grâce. Est-ce que bon dimie zangolu? Est-ce que vous croyez que c'est une grâce? C'est une grâce. Zangolu. Kuna lobaki empêchons-le. Là il a dit to pekisa ye. Qu'il ne mange pas. Aliate de l'arbre de la vie. Utana nzete la bomo. L'arbre de la vie wana. Nzete la bomo wana. Oui, zalaki na jardin d'Eden. C'est qui s'est trouvé dans le jardin d'Eden? Ezalaki Christ. C'était Christ. L'arbre de la mort ou de la connaissance du bien et du mal. C'était Satan. L'homme Moto a préféré Satan. C'est pas là qu'il a Satan. Alors Nzambe alobi. Alors Dieu dit, na bengana ye mosika. Il chasse loin. Abele mana Christ était. Il ne s'approche pas de Christ. Mais Nzambe a fandi. Mais Dieu est resté. Nzambe a tali. Dieu a regardé. Nzambe a tali. Dieu a regardé, il t'a regardé. Amoni motema na yo. Il a vu ton cœur. Olingi ye. Tu l'aimes. Mais ici il y a kozonga lisusu zo abomo yezate. Mais il n'y avait pas d'ici pour retourner prendre encore la vie. Parce que moto asala eloko wana ezalaki Adam. Mais c'est lui qui a fait cette chose là. Bisoto hérité na bisoka. Nous n'avons fait que hériter cela. Mais tant que tu fandi na mabele. Nous sommes sur la terre, dans nos cœurs. Nous avons besoin de la vie. Nous avons besoin de voir Dieu. Nous avons besoin de secours. Dieu, dans son amour, il a envoyé son fils. Alléluia. Amen. Celui qui croit en son fils, qu'il ne puisse pas périr, mais qu'il obtienne la vie éternelle. Verset 17. Dieu, Nzambe, en effet, naboye, n'a pas envoyé son fils atindakite mwana na ye, dans le monde kati na mokili, pour qu'il juge le monde. Mokili. Non. Te, mais il a envoyé kasi, pour que le monde soit sauvé par lui. Mokili, biki sa mwana nzela na ye. Alléluia. Amen. Pourquoi ne pas aimer Jésus? Pourquoi non? Tu vas m'interdire d'aimer Jésus? Jamais. Jamais. Reste avec ton argent. Reste avec ton pouvoir. Ton honneur. Reste avec tout ce que tu as. Mais moi, j'aime Jésus. J'ai reçu Jésus. Parce que si je le reçois, c'est lui le chemin de la vie éternelle. Je vais laisser cette vie de cette terre. Je vais aller dans un autre monde. Un autre monde. Là, c'est ce qu'il lui prépare. Beaucoup aussi seront là.
Si toi tu le refuses, tu vas régner sur cette terre. Ça va se limiter là. Parce que, parce que tu n'as pas la vie éternelle. Parce que l'homme, il a trois étapes. Le corps, Nzoto, l'esprit, et l'imo, et l'âme. Molimo. Amen. Amen. Mais la parole s'adresse à ton âme. Mais si toi tu reçois cette parole là, ça va rester, ça ne va pas rester là dedans. Ça va sortir aussi. Les gens vont voir. Lui il a déjà reçu. Lui il est différent de nous. Lui il a la vie. Écoute Jésus quand il est venu. Dans chapitre 6 il y a Jean. Au chapitre 6 de Jean, il a dit ceci. Verset 47. En vérité, solo solo. En vérité, solo solo. Je vous l'ai dit. Na lobeli bino. Celui qui croit en moi a la vie éternelle. Amen. Amen. Est-ce que vous yango? Est-ce que vous aimez cela? Ma sœur. Mon frère. Awa, ici, elobiteke aura la vie. On n'a pas dit qu'il aura la vie. Non, non. Non. Mais celui qui croit en moi, kasi wa zondi makati na ngai, comme toi, lokola yo, comme moi, lokola ngai, a la vie éternelle. Azui bomo yango ya seko. Tuzane loko akutungisa mate. Nous n'avons pas à nous inquiéter. Atana zane lamba sikate. Même si je n'ai pas un nouvel habit, j'ai la vie éternelle. Azui bomo yango ya seko. Même si je suis chômeur, j'ai la vie éternelle. Même si je n'ai pas d'argent, j'ai la vie éternelle. Parce que j'ai Jésus. Parce que j'ai Jésus. Et Jésus est la parole. Amen. 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 Vous voyez? Celui qui dit ici, c'est Jésus. En vérité. Solo, solo. En vérité. Quand il a solo. Je vous l'ai dit. Nazolo Belabino. Celui qui croit en moi. A la vie éternelle. Kobeta tembete. Ne doute pas. Kolukate oyeba. Mais je suis bien avant de comment est-ce qu'ils ont obtenu cette vie? Non. Il y a la vie éternelle. Amen. Lima bongo. Quoi comme cela? Celui qui a dit. Yenda Lobak. Et nous sommes là assis pour lui. Est-ce que vous avez dit que vous avez dit Jésus? Vous croyez que nous sommes là assis pour Jésus? C'est lui qui a dit. C'est ça la connaissance. Yangonde Boyebi Yango. Boyebi. La connaissance. Yaye Bandeli. Du commencement. Boyebi Antina. La connaissance essentielle. Les tonnerres, les sept tonnerres d'Apocalypse. Les sept tonnerres d'Apocalypse 10. Les sept âges de l'Église. Les gens veulent connaître les sept âges de l'Église. La révélation des sept sceaux. Les gens cherchent à connaître la révélation des sept sceaux. Des sept trompettes. Des sept trompettes. Et ainsi de suite. Bongo la bongo. C'est bien. Les âmes à l'âme. Mais olinga koyeba nano liboso. Veux savoir d'abord qui est Jésus. Nanyango Yesu. Amen. Aujourd'hui Jésus. Jésus. Même mata oyebi ba sauté. Même si tu ne connais pas les sceaux. Il y a la vie éternelle. Aujourd'hui bongo yango ya seko. Amen. Les hommes, bâtir la charrue devant le bœuf. Ils ont placé la charrue devant le bœuf. Ils ont pris les chariots. Ils ont mis devant les chevaux. Ils veulent maintenant que les chevaux puissent pousser les chariots. Laisse que les chevaux soient devant. Que les chariots devant. Que les chevaux puissent tirer les chariots. Dans ce qui concerne les choses de Dieu, cherche d'abord à recevoir Jésus. Qui reçoit Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Quand tu le reçois, tu vas commencer à connaître des choses. Petit à petit, petit à petit. Nangala nango, nantango nango. Atanga yawa. Même moi ici, na yambaka liboso ka Yesu. J'avais reçu premièrement Jésus. Oyo nazoye bakango lelo. Je connais aujourd'hui. Na yebaka nanu. Je le connaissais pas. Et puis bato ba yebinga yi. Ceux qui me connaissent. Ba mosu balobaka. Les autres disent le ministère écoli. Ton ministère a grandi. A écoli. Oui, le ministère a grandi. Parce que ça n'a pas commencé ainsi. Alléluia. Amen. Nani azo kolisa. Qui fait croître? Eza Jésus. C'est Jésus. Yo yambaka yi. Toi reçois seulement Jésus. Ah Yesu. Ah Jésus. Oh yé.
Jésus. Oh Jésus. Azali boso Abraham. Il est devant, au-dessus de Branham. Amen. 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 D'ailleurs, Yende appelle ça Branham message. D'ailleurs, c'est lui qui a confié à Branham le message. Le message, j'avoue, il a gardé pour Nangana. Ce message l'a été pour toi et moi. C'est tout. C'est tout. Nous sommes des gens de joie. Nous sommes un peuple béni. Matthieu chapitre 28. Jésus a dit à ceux-là qu'il a choisi. Devant toi, avant toi et moi. Oui. Oui. Non, non. Non. Oui, 28. Oui, Matthieu chapitre 28. Il dit ceci. Verset 18. Au verset 18. Jésus. Yesu. C'est temps d'approcher. Et c'est là qu'il y a Kobe les mains. L'heure parla ainsi. Alors, bela qui bango boye. Tout pouvoir m'a été donné. Et puis ça me la kingai. Dans les ciels. Et sur la terre. Quel icône ma belle. Loba amen. Dis amen. Bokondignos. Tout pouvoir. Osana Jésus. Si tu as Jésus. Oh, osana pouvoir. Tu as le pouvoir. Pour y appeler si ango na lingo banana. Parce qu'il a donné cela à son église. Appeler si ango na banana. Il a donné cela à ses enfants. Yango toyoka kango na vertu yami balé. Deuxième vertu. La vertu. La vertu. Puissance. Nguya. La force. Makasi. Yango tolobaki. C'est pourquoi nous avons dit. Mituka ya minene wana. Les gros véhicules. Et tel makaliboso ya ba conteneur et pas batté. Ça ne s'arrête pas en vert devant les conteneurs. Yo soki o telemi. Si toi tu es devant. Et broyé yo. Ça va te broyer. Mais soko roulage à telemi. Mais si le roulage est devant. Alatina et lambana. Il a porté sa tenue. Alana mobeko katina. Il a la loi en lui. Na sifflet avec son sifflet dans la bouche. S'il fait conteneur. Le conteneur va s'arrêter. Ndenge moko. C'est de la même manière. Soki yo. Si toi. Bosio yambi yes. Je reçu Jésus. Comme Seigneur. Et sauveur, tu vas être pris dans le péché. Amen. 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 Tu vas être pris dans la maladie. Dis amen. Amen. Et il va obéir. Il ne t'obéit pas. Il obéit Jésus en toi. La parole en toi. Vous voyez? Tout pouvoir m'a été donné. Dans le ciel et sur la terre. Allez. Faites de toutes les nations mes disciples. C'est-à-dire. Allez dans toutes les nations. Après cette bonne nouvelle. Pourquoi je suis venu? Je suis venu pour eux. Je suis venu pour limiter les pommes de péché. Je suis venu pour limiter les pommes de maladie. Alléluia. Amen. Si tu me crois, c'est fini. Et si tu allez, prêche partout. Vous voyez, frère? Joseph. Joseph. Québec. Il est au Québec. Dimanche, Azaki na Montréal. Le dimanche, il était à Montréal. Lelo, aujourd'hui, il est à Québec. Il n'est pas allé faire le commerce. Il est allé prêcher Christ. Il est allé prêcher Christ. Est-ce que Bolingui? Est-ce que vous l'aimez? Et semaine Koya. Et la semaine prochaine? Okenda na Ottawa. Il va aller à Ottawa. Prêcher qu'à Christ. Prêcher seulement Christ. Nasima. Après. Kuzonga na Paris. Il va rentrer à Paris. Prêcher qu'à Christ. Prêcher Christ. Allez. Bokenda. Faites de toutes les nations des disciples. Bokom sabiloko bikolonyon sobayekoli. Les baptisant au nom du Père. Kopesaka bango li baptis na kombo ya tata. Du Fils. Na kombo ya mwana. Et du Saint-Esprit. Oui, mon saint. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Amen. Non, il faut que l'inga Yesu. Oui, il faut aimer Jésus. Nous allons aimer Jésus plus que toute autre personne. Plus que toute autre chose. Aime quelque chose plus que Jésus, cela le concerne. Il a la connaissance de Satan. Il a la connaissance de Satan.
comme Ève, alinga kambuma, il a aimé le fruit kolekali loba ya Yesu, plus que la parole de Jésus. C'est pourquoi nous avons Kimbanseke. Nous avons le cimetière à Gombe. Nous avons le cimetière de Gombe. Kintambo kutu etondi. Kintambo d'ailleurs c'est plein. Tokomi na ba nécropole. Maintenant nous avons nécropole. Parce que. Est-ce que l'assemblée est ici? Ma sœur. De quoi n'engagez moi si. Mon frère. De quoi n'engagez moi. Tango Jésus a lobi. Quand Jésus a dit. Vous serez enlevé. Boko neto lama. Dima. Quoi? Moi je serai enlevé. Gai na koko neto lama. Quand Jésus dit, quand vous mourrez, tant que vous je vous ressusciterai. Sabino, Dima, roi, attends, il est qui 40 même ans. Si ça l'air de passer 40 ans. Il est le plus intelligent. Azali moto aleki na mayele. Amen. Amen. Na Israël. En Israël. Non, Jésus a écouté. Jésus n'était pas encore venu. Un homme est mort. Et on l'a enterré. Inane mobim. Mbula mobimba. Musu sakuf. Un autre mort. Bagé kokunda. On est allé l'enterrer. Ta ka bazak ko s'apprêter kokunda ye. Quand est-il s'apprêté pour l'enterrer? Banguna na bango ba ye na bitumba lokola M23 dengé ba. Guerre comme M23 aujourd'hui. Moyen ya kokunda ezati. Il n'y avait pas moyen d'enterrer. Balongoli kali banga. Ils ont seulement enlevé la pierre. Nankunda ya moto ba kunda ka ye, il y a de cela une année. Du sépulcre où on l'avait enterré cela, il y a de cela une année. Et tikali ka mikuwa. Cela est resté seulement les eaux. Zokana kati ya mikuwa. Or dans ces eaux, nguya ya lise kwa ezaki wa. Il y avait la puissance de la résurrection. C'est la Bible qui le dit. Tango ba bwa ki mobali wana. C'est cet homme là. Zoto na ye tout mikuwa. Corps a touché les eaux. Ya moto azaka candidat pe ya kose kwa. Candidat de la résurrection. Nambala moko ye pe ya sekou. Au même moment lui aussi est ressuscité. Alléluia. Amen. Et comment ma pon zambe après sa biso siki siki. Dieu puisse nous donner l'assurance. Que résurrection est allée. Que la résurrection existe. Kosakana na lilobate. Ne blague pas avec la parole. Ata ozo tambola mutakala. Même si tu te promènes nu. Donc na sens que mutakala na sens ya bilamba ezate. Dans l'unité dans le sens où tu n'as pas d'habit. Ah, na sens wana. Dans ce sens là. On commence à se moquer de moi. C'est mal les habits décolorés. Oh, je n'ai pas assez d'habits. Ne détruis pas ton mariage. Pour ça. Ne refuse pas tes parents. Pour ça. Cela n'a pas d'importance. Non. Tout cela va rester. Après la mort, ça reste. On n'amène pas cela. On va rester en famille. On va les distribuer, les partager. Si vous êtes d'accord, dites Amen. Toi, tu as déjà obtenu la grâce. Oui, la grâce. Alléluia. Même si je passe une faim, mais cela va faire quoi? La faim fait souffrir seulement le corps. Mais l'âme maintenant mange. Je vais sortir d'ici rassasié. Me donnant les vitamines. Vous voyez? Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, Petala. Je suis avec vous Nazali elongo na bino. Tous les jours Mikolomanso. Jusqu'à la fin du monde. Kino na suka mokili. Dieu n'abandonne pas les siens. Zambe atika kasoki mokete bao ya ye. Nini yango alakisaka bango. Qu'est-ce qu'il leur a montré? Luc 24. Luka mokapo atukumba na mine. Ne o ya lobi. C'est que lui a dit. Là, ce que vous allez dire aux disciples, enseignez les disciples dans toutes les nations, dites-leur, montrez-leur ce que moi je vous ai dit. Verset 49. Il y a Luc 24. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Amen. Amen.
Quand la puissance d'en haut viendra, elle va vous expliquer ce que je vous ai prescrit. Allez, faites de toutes les nations mes disciples, les baptisant au nom na kombo, du Père, ya tata, du Fils, ya moana, du Saint-Esprit. Ah oui, c'est la connaissance. Cela exige la connaissance. La connaissance divine. La connaissance divine. Il y a Satan. Pas la connaissance de Satan. Est-ce que l'assemblée est allée? Est-ce que l'assemblée est ici? Bozali binonyon sobato obutanga. Vous êtes là, vous avez étudié. Oyebike. Vous savez que ce qui est allé pluriel. Si c'est le pluriel. Bakukuma A U na X. On va écrire A na U et X. X. Na O wana. Ah, c'est dans ce O là. Pe na no. Pe au nom. Bakobakisa S on na va ajouter un S à la fin. Mais ce que tu as dit bien, mais si tu regardes bien, les baptisants, au nom du Père, tata, du Fils, ya mwana, et du Saint-Esprit, un seul nom. Or, Père, or, tata, ce n'est pas un nom commun. Et zali kombo ya batu bansote. Ce n'est pas un nom propre. Et zali kombo ya moto mokote. Ah, mais c'est un nom commun. Et zali kombo ya batu bansote. Tout celui qui a mis au monde, on l'appelle Père. Fils, Moana, ce n'est pas un nom propre. Et j'allais comme moi, moto et mon côté. C'est un nom commun. Et j'allais comme moi, Yabatobans. Moana, non, soya botam. Tout celui qui est né, Ngaï surtout, moi surtout. Nalinga Kakobenga, ma jeune soeur, j'aime appeler les jeunes soeurs, jeune frère, les jeunes frères. Les autres me disent bonjour papa. Bonjour papa. Bonjour, moi je fils. Dis bote moi en angai. Bonjour ma fille. Bote moi en angai moi. Mais de nature. Parce que le lingue là moto na benga. Ce n'est pas moi qui l'ai mis au monde. Mais asa moana. C'est les filles. Parce qu'il a botama. Parce qu'il est né. Baboti na ibaza lokola. Ses parents sont comme moi. Na bengi est fils. Je l'appelle fils. Na bengi est fille. Je l'appelle fille. Mais asa penza penza ou yangai. Elle n'est pas celle pas elle n'est pas ma fille. Donc fils. Donc fils. C'est un nom commun. Ils allaient combo ya bato bans. Fille. Fille. C'est un nom commun. Père, Père, c'est un nom commun. Mais Awa, ici, Jésus, Jésus, après si bango ordre, il leur a donné l'ordre. Boke de kojalisa. Allez, faites. Baye kolinangai. Les disciples. Namabota dans nyos. Toutes les nations. Mais bo baptisé bango. Les baptisants. Au nom. Na kombo. Moko. Un. Na bo moko. Olia tanga kombo. Au lieu de citer les noms. Atangi. Il cite. Bambifo yankombo wa. Les titres liés à ce nom-là. No wana. Ce nom-là. Yango wana père. C'est ça le père. Fils wana. Fils là. Yango wana. Donc. Le donc, nom. Père ye wana. Le père. Na fils. Et fils. Na Saint-Esprit. Et Saint-Esprit. Ezaka kombo moko. C'est le seul nom. Mais kombo yango moko. C'est le seul nom là. Et sali mosala ya père. Ça fait le service du et père. Et sali mosala ya fils. L'office du fils. Et sali mosala ya Saint-Esprit. Et l'office du Saint-Esprit. C'est-à-dire tango ya kelaki mokili. Quand il a créé le monde. Babengi ye père. On l'appelait père. Mais tango abotamia wa. Quand il est né ici. Po aya kokufe langa na yo. Babengi ye fils. On l'appelait fils. Siko tango azote ya biso. Na lolenge ya molimo mosa. De la manière du Saint-Esprit. Babengi ye Saint-Esprit. On l'appelait Saint-Esprit. Mais le même la même personne. Mais avec un même nom. Na kombo yango moko moko. Ce nom là. Kombo yango. Nde ya ebisaki bango. Enseigner ses disciples. D'attendre de respecter ce que je vous ai enseigné. Ba tosa o ngana la kisaki bino. Ya la kisaki bango nini. Mais qu'est-ce qu'il leur a montré? Rester dans la ville. Parce que la carte n'est ngumba. J'enverrai sur vous une puissance qui viendra d'en haut. Et na Jean chapitre 16, verset 13, Jésus a lobby. Quand le consolateur, lui, l'esprit, qui viendra sera venu l'esprit de vérité. Il vous conduira dans toute la vérité. Pourquoi? Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Esprit wana, ya yebi, lui connaît le Père, Fils et Saint-Esprit. Père, Fils et Saint-Esprit, ya yebi kombo wana, lui connaît ce nom-là. Il faudra qu'il
lui vienne auprès de vous, quand il vienne auprès de vous, c'est alors qu'il vous enseignera le nom du Père, du Saint-Esprit, ce nom-là c'est qui? C'est ça la connaissance. Oyo, Église de Dieu, c'est qu'elle est sur Yango. A voir. Amen. Amen. Basango Bazelite. Les pères n'ont pas entendu. Le cardinal Bazelite. Les cardinaux n'ont pas entendu. Bah monseigneur Bazelite. Les monseigneurs n'ont pas entendu. Bah prêtre Bazelite. Les prêtres n'ont pas entendu. Bah poti. Ils se sont embrouillés. Moutouandimi. C'est qui croit? Toujours pensé au baptême. On te baptise. Na kombo ya tata. Au nom du Père. Ya mwana. Du Fils. Ya mulimosa. Et du Saint-Esprit. Bah zwima ina kopo. Ils ont pris les noms dans un gobelet. Sopeli na mou. Ils se versaient la tête. Pierre. Pierre. Jean. Jean. Philippe. Philippe. Barthélemy. Barthélemy. Thomas. Thomas. Alobi, ils ont dit non. Alobaki tozé. Ils avaient dit qu'ils nous poussons en train. Et ils étaient restés. Bango basé. Ils ont entendu. Est-ce qu'assemblée est-ce que l'assemblée est ici? Soko tangi na Bible. Si tu lis dans la Bible. Acte chapitre 2. Misala mikopami balé. Ogoyok. Tu entends. Bango mondi matosaka. Les croyants obéis. Acte chapitre 2. Misala verset liboso. Première verset. Le jour de la Pentecôte. Mon colo a quitté là. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues. Des langues Bankota, bandemi, bandemi, semblables à des langues de feu. Ah, Bankota te. Bandemi. Ndemi. Ndemi. Omoni, soko opelisi moto. Ok, si tu allumes le feu, flamme nango wana. Cette flamme là. Babenga ka flamme wana. L'appelle cette flamme là. L'olem. L'olem. Ya moto. La flamme de. Okay. Yango balobi des langues. Ndemo. Semblables à des langues de feu. Oui, kokani na bandemo ya moto. Leur apparit. Et bimela ki bango. Séparer les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Amen. Amen. Bazelaki. Ils ont entendu. Est-ce que vous allez où? Est-ce que vous êtes là? Bazelaki. Ils ont entendu. Et tango, bazui moli mo Saint. Quand ils ont obtenu le Saint-Esprit. Pierre a telemi lokola ndenge na telemi. Pierre s'est tenu debout comme moi sur debout là. Na chapitre 2. Au chapitre 2. Il a prêché. Ateyaki. Il a prêché. Ateyaki. Il a prêché. Ateyaki. Verset 37. Au verset 37. Après avoir entendu la prédication. Na simala koyo kakalite ya. Ils eurent le cœur vivement touché. Bazwa ki miteme tout ama ki makasi. Parce qu'ils ont compris. Pete ba sosola ki. Qui est Jésus? Na ngo Yesu. Il était venu pourquoi? Alléluia. Amen. Mais ils l'ont tué par l'ignorance. Ils virent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes, frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, ah, celui qui a obtenu le mandat. Loko la frère Branham. Comme de Cobranham. Loko la frère Franck. Comme frère Franck. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord? Yende azwaki mandat. Celui qui avait obtenu le mandat. Yende ba pesa ke ba fungol. Celui qui lui a perdu les clés. Yende Jésus alobaki. Celui qui Jésus a dit. Motoko fungole la yelola. Celui à qui tu vas ouvrir le ciel. Akoti. Il va entrer. Ce que okangeli motolola. Comme le ciel. Akota te. Il n'entre pas. Prédication de Yaliboso. C'est sa première. Après Jésus kokende. Après Jésus qui sont morts. Bazalaki kozela. Il était là en temps. Comme lui avait dit. Il a donné l'ordre. Allez. Faites de toutes les nations. Même ici. Les baptisants. Au nom du Père. Du Fils. Du Saint-Esprit. Mais attendez. Alléluia. Amen. Je vous enverrai l'Esprit. Et quand l'Esprit était venu ici, c'était le premier jour. La première fois. Oh, Pierre a tellement dit. Le mandat qui lui a été donné. Quand on a prêché Christ. On a prêché Christ. On ne prêche que Christ. On ne prêche pas Branham. Le Amen. Dis Amen.
Oh, Branham a dit. Jésus est au Canada. Jésus, on ne l'attend pas. Non, c'est une erreur. Il faut prêcher Jésus. Côté à Yesu. Amen. Si tu es branamiste ici, il n'y a pas de branamiste. Nous n'avons que des chrétiens ici. Branham, c'est notre frère. Branham, il est le prophète. Azali Mosakoli. Jésus, oh, yes, avait envoyé Atindaki avec un message pour nous préparer. Dites amen. Dites amen. Branham a répété ce que Jésus disait. Dimanche. Vous voyez le dimanche. Oui, où t'es collé. C'est dimanche passé. Tolobaki boy. On avait dit ceci. Branham. Branham. Okuta brochi. Voilà pas une brochure. Atei. Il a prêché. La semence du serpent. Momboto ya nyoka. Azamuto aliboso kote. La semence du serpent. Il n'est pas la première personne à prêcher la semence du serpent. Jean s'est atei avant. Jean avait prêché avant lui. Ezaka na Bible. C'est dans la Bible. Mais bison de toye bagate. Et nous qui ne savons pas. Nzambe apesiye makoku. Dieu lui a donné la capacité. Aya na tangwa suka. Il puisse venir au temps de la fin. Aya kutali sabiso. Il puisse nous montrer. Momboto na nyoka ezala. La semence du serpent. Dis pas ici. Oh, bon douter. Que vous ne puissiez pas douter. Kozonga na Bible. Revenons à la Bible. Amen biso esika Jean, ayez bateau, gens qui sont venus pour aller au baptême. Reste de vipère. Vipère, c'est-à-dire serpent. Vipère, c'est un serpent. Amen. Dites amen. Jean avait prêché la semence du serpent. Quelle grâce que nous avons obtenue. Moi, j'étais témoin de Jéhovah. Avant de croire au message, c'est une grâce. Une grâce. Golou. Les témoins de Jéhovah n'acceptent même pas le Saint-Esprit. Bah, témoins de Jéhovah, ils ne croient même pas à l'enlèvement. C'est pourquoi eux, dans leur livre, dessin, il y a des dessins. Il y a une nouvelle terre. Comment la terre sera. Ils dessinent des jolies filles, des jolis garçons, des animaux assis. Comme nous étions au jardin d'Éden. Si tu dis aux témoins de Jéhovah de l'enlèvement, il ne va pas croire. Mais par la grâce de Dieu, je crois l'enlèvement. C'est parce que c'est biblique. C'est parce que c'est biblique. Jésus qui a dit ça. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Je crois cela. Alléluia. Amen. Alors Pierre, il a prêché l'Église. Verset 36. Alors dit que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ces discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres, oh mes frères, que ferons-nous? Landa Pierre. Pierre qui a marché avec Jésus. Pierre où Azalaka na Jésus. Pierre qui était avec Jésus. Pierre où Bapesa kai ordre. Pierre à qui on lui a donné l'ordre. Bapesa sango anate. On n'a pas donné à ce prêtre là. Bapesa pe motomo ko on n'a pas donné à un homme ici. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Kaka ndenge. Comme William Branham. Alobaka na frère Franck. Il a dit à frère Franck. Alobana motei moko ya Congo. On n'a pas dit à un autre prédicateur au Congo. Amen. Dites amen. Frère Branham, ayebi sa frère Franck, m'a invité nga na telle place. On m'a invité à telle place. Nazana bolembu. Je suis fatigué. Kende. Toi va. Na yisika na ngai. À ma place. Apporte la parole de Dieu. Mais moi, le bango yanza. Atinda motei moko wa te. On n'a pas envoyé notre prédicateur ici. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord? Ndenge moko Pierre. De la même manière Pierre. Adala kina Jésus. Il était avec Jésus. Alléluia. 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 Il lui a donné les clés. Il l'a mandaté. Il l'a envoyé. Pierre. Nabaninga. Et ses autres. De Jésus. C'est Jésus. Alobaki. Il leur a dit. Allez. Bokenda. Faites
des disciples dans toutes les nations. On les baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais Awa, ici, quand vous prédication quand vous avez la prédication de Pierre, bon, Jésus a l'obaki, parce que Jésus avait je dit, serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Na cosa la lisu physiquement mais spirituellement je suis avec vous. C'est que tant que Pierre a prêché Jésus est là. Jésus était là. Attendez quand on doit prêcher Jésus est là. Jésus est ici. Alléluia. Amen. Yango tolobaka. C'est quand nous disons il est le même. Azali hier longue mon coca. Aujourd'hui. Lelo. Éternellement. Ce qui a secoué sa bateau dans la réunion, mon coboye. A cause de ce qui s'appelle bateau dans la réunion, elle est là. Si c'était les gens dans cette réunion d'aujourd'hui. Amen. Vous voyez, Jésus. Vous voyez pourquoi nous l'aimons. Pierre leur dit Pierre te l'aime, Saki Bango. Répondez-vous. Olé la ma ben abino. Et que chacun de vous soit baptisé. Ben, moi, bien, je vais baptiser. Oh non. Na combo. Singulier, sikoy. Na bomoko. Est-ce que l'ensemble est ici? Sikoy, Pierre a lingapé sa réponse. Maintenant, Pierre veut donner la réponse. Il ne parle pas de lui-même. Azolo bana tina na yemo kote. Il parle maintenant. Azolo bana ça c'est sous l'inspiration. C'est le Saint-Esprit. Et limo sat. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Limo sat. Yo Jésus à l'obaki. Jésus a dit. Attendez-le. Bon c'est là hier. Lorsqu'il viendra, il ne parlera pas de lui-même. Azolo bana uta na yemo kote. Mais il vous parlera de ce qu'il aura entendu. Ayoka ki. A soufflé Pierre. Pécipé ton père. Olien Pierre à l'obaki. Père, Fils et Saint-Esprit. Père, Fils et Saint-Esprit. Alors dit, répondez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. 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 Jésus. Yesu. Alobi. Amen. Il a dit Amen. Ah oui. Oui. Voici la chose. Cela dit Kambouango. Voici la révélation. La révélation de ce nom. Et Pierre a expliqué. À cause du pardon de vos péchés. Et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Verset 41. Ceux qui acceptèrent sa prédication furent baptisé. Et en ces jours-là, le nombre de disciples augmenta d'environ 3000 âmes. 3000 âmes. Bah, tu vas reconnaître que les gens ont reconnu. Ah, donc Christ, ah, Christ Jésus, Jésus, il était venu pour moi. Toi, tu vas voir la sœur comme une femme. Elle n'est pas folle. Ayebi nani Yeshua Sali. Qui est Jésus? Ayebi nani Yeshua Sali. Qu'est-ce que Jésus a fait dans sa vie? Ata yo lobi. Même toi, tu dis. Ça ne me concerne pas. Alléluia. Amen. Yondo dagana soni na Yeshua. C'est toi qui es honte de Jésus. Oh, yebi te nini a salada yo. Qu'est-ce que Jésus a fait à toi? Mais ça n'a pas souci à moi. Il y a des gens ici. Hein? Ouais. Attends, patron a télémi. Même le patron est là. Abondé. Il prie. Ayembi. Il chante. Loba amen. Dis amen. Alors, Yango Moni. C'est pourquoi vous voyez. Frère Paul. Frère Paul. Oya monana katana Jésus na njoto boyi. Celui qui ne s'est pas vu physiquement comme ça avec Jésus. Azala kate tango Jésus azala gina Pierre. Il n'était pas là à l'époque où j'étais avec Pierre. Quand Jésus était avec Jean. Tango Jésus azala gina Philippe. Quand Jésus était avec Philippe. Barthélemy. Barthélemy. Thomas. Thomas. Et consort. Et consort. Yé Paul azagite. Lui Paul n'était pas là. Au contraire, il ne voulait même pas entendre les parler de Jésus. Pour Paul, Jésus, Jésus, c'était un enfant bâtard. C'était un
C'est un Belzéboul. Azali Belzéboul. On ne peut pas le prêcher. Bon, qui côté a été? Il faut qu'à Jéhovah. Il faut seulement Jéhovah. J'hésite. Pas Jésus. On a moi un charpentier. C'est un enfant d'un certain charpentier. D'ailleurs, Marie. D'ailleurs, Marie. C'est une pite. Azali Ndumba. Azali Zeminano. Il a été engrossé avant qu'il ne soit, dans le mariage. Ou Anna Paul. Ça, c'est Paul. Mais tant que Jésus a eu beaucoup de temps, Jésus a croisé Paul. Parce que Motosok a mon ponami. Parce que quand quelqu'un était lui, même si vous mettez des obstacles, mais si les jours-là arrivent, tout cela va tomber. Il va recevoir Jésus. Si tu veux rester dans le mariage, reste au travail, reste avec son travail. Tu veux confisquer les habits, confisquer. C'est lui qui est tout pour moi. Amen. Amen. Jésus a zambongo nanga. Jésus est mon argent. Jésus a zawolo nanga. Jésus est mon or. Jésus a zabilia nanga. Jésus est ma nourriture. Jésus a zabilamba nanga. Jésus est mes habits. Jésus a zamosala nanga. Jésus est mon travail. Jésus a zavie nanga. Jésus est ma vie. Jésus a zaguérison nanga. Jésus est ma guérison. Atabo sundo linga. Même si vous m'abandonnez. Atabo kangi hôpital. Même si vous fermez l'hôpital. Jésus a kosunga nanga. Jésus va me secourir. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Yoga frère Paul. Écoute frère Paul. Des Corinthiens. Chapitre 5. De Corinthiens, verset 19. Car Zambi, Dieu Zambi, était en Christ. Zalaki kati na Christo, réconciliant le monde avec lui-même. En n'imputant point aux hommes leurs offenses. Est-ce que vous avez la joie ici? Si Dieu pouvait imputer mes offenses, est-ce que je pouvais m'asseoir ici? Est-ce que je pouvais être appelé enfant de Dieu? Est-ce que je mérite d'être appelé, j'ai mérité d'être appelé prédicateur de la parole de Dieu? Jamais. Jamais. Pas seulement moi. Bongo yo. Et toi? Est-ce qu'on pouvait seulement citer les enfants de Dieu et citer ton nom aujourd'hui, comme tu es là, que les gens aiment, qu'ils n'aiment pas, Jésus a fait de toi fils de Dieu. Il n'a pas imputé tes offenses. C'est Pela. C'est Pela. C'est Pela. Sois dans la joie. Yo petika kotange la baninga. Si n'impute pas aux hommes, lève la voix. Prie pour tes frères. Linga bango. Aime-le. Alléluia. Amen. Mais on m'a dit frère, frère dans une certaine faiblesse. Bondela. Prie. Amen. Le l'ensemble. Prie pour Dieu devant Dieu. Seigneur. Kolo. Oyo futaka nekulus. Ce que tu as payé à la croix. Pour nos frères. Pour les frères. Pour nos sœurs. Pour la sœur. Et coquité. Cela n'est pas suffisant. Bon, soke koki. Si cela est suffisant. Pourquoi vie oyo? Pourquoi cette vie? Biki saye. Guéris-les, sauve-les, secours-les. Mais au lingin de ko. Et tu aimes le frère. Au lingin de ko. Et tu aimes le frère. Kozoye loko la salité. Ne le considère pas comme une personne sale. Kobo kaye loko la nzetio yo babwa kaka mille pattes. Ne le rejette pas comme cet arbre-là qu'on utilise pour jeter les mille pattes. Bois qui mille pattes. On jette les mille pattes. Bois qui n'a nzete. On jette aussi la. Non, c'est ton frère. Azaline de konayo. Yo, son ko telemi. Si toi tu es debout. Et d'abord, le bon comment qu'ils ont soutenu. C'est parce qu'il y a une main qui te soutient. Donc, le bon comment ne tiki yo. Si cette main-là t'abandonne. On va lire à ma belle. Tu vas manger la poussière. On va bamba nanase. Tu vas par terre. Linga baninga. Aime les frères. Yo, quel est ma frère mawa. Aie pitié des frères. Bonde la pona. Prie pour les frères. Adao moni. Même si tu as vu. Adao yoki. Même si tu as entendu. Approchez-le. Approche-lui. Lobana ye. Dis-lui. Ozali sous na stade wana te. Tu n'es plus dans ce stade là. Yo, osa sauvé. Toi tu es sauvé. Osa délivré. Tu es délivré. Tike la bato makambo wana. Yo, yakato pesa Jésus le koum. Puisse donner gloire à Jésus. Alléluia. Amen. La connaissance. Boye biango. De Jésus. Ya Yesu. C'est sa connaissance autolinguée. C'est la connaissance que nous voulons. Vous voyez? Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Ouais. Jésus. Jésus.
mariage. On t'appelle dans le mariage qui a des difficultés. Ne pars pas pour enflammer les feux là-bas. Il n'y a pas un mariage parfait sur cette terre. Partout il y a des problèmes, des problèmes. On a un frère qui s'appelait Idioko. Dans un village appelé Luango. Il est aussi pasteur. Si tu lui dis, Pasteur Iyoko, le sacco, Mbote, alobi, Toto Keke Baino. C'est-à-dire, Toso Kangaka Moutem. Nous, retournons seulement les cœurs. Est-ce que vous êtes là? Nous retenons seulement nos cœurs. Frère Azo Kangamutema. Le frère était seulement son cœur. Pour ne pas faire la honte à la parole de Dieu. Azo Kangamutema. La sœur retient son cœur. Dis de peur que les voisins puissent parler. Bitumba, mais le combat, c'est combat. Et nous et les enfants. Et nous et les voisins. Tiens. Alléluia. Amen. Mais nous nous suivons l'exemple de Jésus. Alléluia. Amen. Ça c'est l'étape de la quatrième brique maîtrise de soi. Je vais donner deux ou trois écrits de la maîtrise de soi. Nous sommes encore là. Dans la connaissance. Et verset 20. Le Molongo a tout comme il Frère Polo, de Copole, celui qui persécutait les chrétiens, alobi, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeur. Naboe, tout pour ça la misala, yaba talis ya Christo, yaba Thomas ya Christo. Toloba qui a votre dimanche. Nous allons parler le dimanche. Ambassadeur rwandais Azaliao. Thomas ya Rwanda Azaliao. Même si nous avons des problèmes avec les Rwandais, mais Thomas Rwanda Zalia. Ambassadeur y a Uganda Zalia. Thomas y a Uganda Zalia. Ambassadeur y a Amérique Zalia. Thomas y a Amérique Zalia. Y a France. Thomas y a France. Y a Allemagne. Y a Allemagne. Y a Centrafrique. Y a Centrafrique. Azako représente Mboka na Bango. Il représente son pays. Azana RDC. Il est en RDC. A Telemisi Bendele. Il a élevé son drapeau. Na bureau na ye. Les drapeaux dans son bureau. Na Bango. De son pays. Soki bazo landayo. Si on te poursuit. Okay, imbang. Tu cours vite. On continue à école wana. Si on dans cette ambassade, on ne t'attaquera plus. Tu deviens sécurisé. Parce que tu es dans un autre pays. Si tu vas faire des troubles, et là, on provoque ce pays-là en guerre. Nous, nous représentons Christ. Le ciel est derrière nous. Satan ne puisse pas jouer dans un territoire. C'est notre territoire. Alléluia. Amen. Yo dans un territoire Moussous. Toi tu es dans un autre territoire. Bien sécurisé. Oui frère. Oui, ça boit une déco. Satan. Ozo Lukabitum. Tu cherches la guerre. Keba. Attention. Keba. Attention. Naza ambassadeur et al Christ. Nazali Thomas et Christo. Na outi na lola. Je viens du ciel. Na bozonga na lola. Je vais rentrer au ciel. Malgré Nazana Mabele. Malgré que je suis sur la terre. Lola Mobimba. Tout le ciel. Et Zasi Manangai. Et derrière moi. Pekuna na lola. Là au ciel. Naza braqué. Je suis braqué. Ma téléphone est sali. J'ai tous les téléphones. Soki na lelisi yango. Si et Nazali agressé à ou. Agressé. Alléluia. Amen. Oko pakata oko. Tu vas fuir, tu vas mourir. Keba. Attention. Est-ce que vous êtes ambassadeur à Christ? Tu vois que nous sommes des ambassadeurs de Christ. À toi, Télémissa Bendele. Levons les drapeaux. Télémissa Bendele. Lève les drapeaux. Nanda koyo van. Dans la maison où tu es. Na bureau ya mosala na yo. Dans les bureaux au travail. Na mesa ya zando na yo. Dans la table au marché. Télémissa yango. Lève les drapeaux. Vous êtes sécurisé. Tu es sécurisé. Ceux qui bendent les autres peuples. Si les drapeaux sont les canavions. Même si quelqu'un passe par l'avion, il regarde. Il bende les wana. Ces drapeaux là. Les aïe kolo songolo. Tel pays. Et puis pour nayo. Et pour toi. Satana. Satan. Akolo ba bende les wana. Ces drapeaux là. Les aïe Christ. C'est pour Christ. Namé kate. Que je ne puisse pas oser. Yo moko zo banga. Toi-même tu as peur. Ozo ba isu position. Tu connais pas la position dans laquelle tu te trouves. Ce n'est pas bien. Za malamuté. Maintenant, étape est à mi-balé, y'a miné. La quatrième étape, la tempérance. Kokanga mutem. Komikanga. Maîtrise de soi. Komikanga.
L'homme a obtenu la foi, il a créé Christ. L'homme a obtenu la vertu de Christ. L'homme a obtenu la connaissance de Christ. Alors, l'homme qui a toutes ces vertus-là, il doit avoir la maîtrise de soi. Est-ce que vous l'aimez? Ne parle pas n'importe quoi de ta bouche. Contre Bananayo. Contre Baninga. Contre tes amis. Contre Bato. Contre les gens. Non. Ne le fais pas. Sois comme Jésus. Tala. Regarde. Matthieu chapitre 27. Verset 27. Jusqu'à 30. Les soldats du gouverneur, bah, soldat gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire. Bah, et ils assemblèrent autour de lui toute la cohorte. Ils lui ôtèrent ses vêtements. Bah, longolaki bilamba na ye, et le couvrirent d'un manteau écarlate. Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête. Et ils lui mirent un roseau dans la main droite. Puis, s'agenouillant devant lui, ils le rayaient en disant, « Salut, roi des Juifs !» Et il crachait contre lui. Prenait les roseaux et frappait sur sa tête. Verset 39. Les passants l'injuriaient et secouaient la tête en disant, toi yo, qui détruis le temple et qui le rebâtit en trois jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le fils de Dieu, descends de la croix. Les principaux sacrificateurs, avec les scribes et les anciens, se moquaient aussi de lui en disant, il a sauvé les autres. Il ne peut se sauver lui-même. C'est le roi d'Israël. Qu'il descende de la croix. Et nous croirons en lui. Il s'est confié en Dieu. Que Dieu le délivre maintenant. Si Dieu l'aime. Car il a dit. Je suis le fils de Dieu. Là, notre Seigneur. Moi et toi, nous ne sommes pas encore arrivés à cette étape-là. Nous avons des petites épreuves. Mais dans Luc chapitre 23. Après qu'on lui ait dit toutes ces choses-là, les frappant, les crachant sur lui, disant sur lui n'importe quoi. Alobi. Il dit. Luc 23, verset 34. Jésus dit, Père, tata, pardonne-leur, car Zambi, ils ne savent ce qu'ils font. Bah, ébite, oh, bah, ko sala. Amen. Amen. Tata, Père, amen. Pardonne-leur. Amen. Oh, bazo sala, tout ce qu'ils me font, bazo ils ne savent pas. Limbisa. Pardonne-leur. Limbisa. Pardonne-leur. La tempérance. Kokanga motema. Kumikanga. Bolo amen. Dites amen. Yo kopasuka kate. Yo zamona nzambe. Toi tu vas gonfler. Tu es fils de Dieu. Moi lika mumuke. Même si pour même tu gonfles. Moi lika mumuke. Pourquoi tu t'énerves? Ezana mobali. Même devant le mari tu t'échauffes. Ezana na mwasi no. Même devant ta femme tu cries. Même tes voisins, tu cries. Bato. Mais les hommes, savent que tu es croyant. Kaka mondimite, pas seulement croyant, mais un message. Mais les croyants du message. Amen. Mais exemple, les a Jésus. Ndaki Césali Yesu.
Regarde. Il y a un homme qui a qui à Jésus comme moi et toi. Acte chapitre 7. Il s'alla mon capoya sambo. Son nom était Étienne. Étienne. Persécution est continue à Jérusalem. La persécution était entrée à Jérusalem. Bandimi ba panzani. Les coins étaient éparpillés. Apôtres ba tika. Les apôtres étaient restés. Moto na moto esika ke neki. Chacun là où il était parti. Bandi ko prêcher Christ. Il a commencé à prêcher Christ. Yepe dangala na ye. Lui aussi à son tour. Étienne. A prêché Christ. Il a prêché Christ. Wana yasi ayamba ki Christ. Là il avait déjà reçu Christ. Loko la ngai na yo. Comme moi et toi. Il a prêché. Il est arrivé un moment où sa prédication ça énervait les sacrificateurs qui les suivaient. L'ont lapidé. Dans le temple. Verset 59. Et 60. Il y a Acte chapitre 7. La misale à Sambo. Et ils lapidèrent Étienne. Pe baba qui était ne mabanga. Qui priait. Azaï kobonde là. Et disait. Pe koloba. Seigneur Jésus. Kolo Yesu. Reçois mon esprit. Yamba eli monangai. Puis. Penasima. S'étant mis à genoux. Omi tchaka na sa mabolongo. Il s'est crié d'une voix forte. Aganga ki na mongongo makasi. Seigneur. Kolo. Ne leur impute pas ce péché. Otange la bango lisu moyo te. Alléluia. Amen. Azaki Jésus. Il n'était pas Jésus. Nazaki mondimi ya Jésus. Il était croyant de Jésus. Donc la yona ngai. Comme toi et moi. Ça c'est la tempérance. Wale zali komi kanga. Est-ce que bolingi yango? Est-ce que vous l'aimez? Ata soki to kobonde lao. Même si nous allons prier ici. Après la prédication, quand il va rentrer à la maison, prie Dieu, donne-moi la tempérance. Donne-moi devant les voisins. Ndeko, nous voyons des choses. Hein? Non, le pasteur habite. Il se dispute. Et il se bat. Nous ne voulons pas que la parole de Dieu soit trouve le pauvre. Ce sont les souffrances d'un petit temps. Bientôt, nous allons voir Jésus. Bientôt, nous allons entrer dans la joie. Puisque il fera que les souffrances ici, nous puissions les oublier. Nous n'allons même pas penser à ces souffrances. Jamais. Nous allons terminer par cette écriture. Deux pierres. Mi balé pétolo. Non, un pierre. Moko pétolo. Chapitre 2. Moko pétolo, moko pour mi balé. Car. Zambi. Verset 19. Molongo a zomi na libwa. Toko kita tina 23. Nous allons descendre jusqu'au 23. C'est une grâce de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu. Zambi, ezangolo, koyike lampiko minyoko, natina boyebi et pa ya nzambe. Ah, ezangolo. C'est une grâce. Koyike la bampasi mpiko. Supporter les afflictions. Mpiko. Supporter les afflictions. Supporter. Supporter les afflictions. Mosamona nzambe. Tu es enfant de Dieu. Mosamona nzambe. Tu es enfant de Dieu. J'ai parlé avec cette sœur là. Elle m'a dit, maman, mon mari, il me fait souffrir. Il me fait souffrir. Pasteur, je ne parviens plus. Je lui ai dit, tu parviendras. Comme Jésus t'a appelé, tu vas t'en sortir. C'est toi-même que tu ne veux pas t'en sortir. Si tu veux t'en sortir, tu prends ce que tu amènes au Seigneur. Tu vas faire que tu puisses t'en sortir. Pasteur, ces jours-là, je ne sais pas, je vais mettre mon honte. L'hôpital où j'étais, je ne sais pas comment est-ce qu'il est arrivé. Tu là. Na couloir. Je vois quoi sur le couloir. Après, il est disparu. J'ai commencé à saigner.
Même si un bon. J'ai dit un bon. Au bout d'acapé. Tu as mis au monde. Oui, j'ai mis au monde. Moi, n'ango pas à cola. L'enfant a grandi. Alobi à cola. Oui, l'enfant a grandi. Et même si, mais c'est fini. Mais s'il est. Aussi au longaïe. Tu l'as vaincu. Choki a yaki na makansi. S'il était venu avec des mauvaises intentions. Toi, tu l'avais vaincu. Moi, n'a botama. L'enfant est né. Moi, n'a cola. L'enfant a grandi. Lingaïe. Aime-le. Linga. Aime. Lingaïe. Aime-le. Alléluia. Amen. Lingaïe. Aime-le. Même à ta soki a changé face. Même s'il change face. Lingaïe. Continue à l'aimer. Lélo, Adam Serre et Assemblée Moussous, Lélo, Abin Gana, Lélo, Abin Gana, aujourd'hui au téléphone. Pasteur, depuis ces jours-là, on n'a pas parlé. Samedi passé, le samedi passé, je suis avec mon mari sur les lits. Maman na ye, sa maman, c'est qu'elle a la qui? Là où elle dort, hein? Azo gang. Elle crie. Et appelé mon mari, Mwananaye. Son fils, interdit à ta femme, elle m'étrangle, elle est en train de m'étrangler. Moi et mon mari, nous nous sommes réveillés, nous sommes assis sur les lits, on a ri, on a ri, on a ri. On a ri. Maman parlait. Quand nous sommes réveillés, il a appelé son cadet, et c'est un garçon, qui vient s'asseoir. On a seulement deux chambres. Et il va dormir où? Sur la chaise, au salon. J'ai dit, la sœur, aime-le. Toi, continue à l'aimer. Toi, tu l'as étranglé. Non, je ne l'ai pas étranglé. Continue à l'aimer. Frère, quand il parlait, vous riez. Dis à ta femme, elle m'a étranglé. Vous vous êtes en dérive. Jésus a boundé la cabisse. Jésus combat pour nous. Bolo amen, ma dites amen. Que ce soit des combats visibles. Que ce soit des combats spirituels. Jésus a boundé la cabisse. Jésus combat pour nous. Vous voyez? En effet. En aboyé. Quelle gloire y a-t-il à supporter des mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance, lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Alléluia! Amen! Si tu as souffert pour la parole, où est le mal? C'est mal quand on t'apprête avec des mauvaises actions. Oh, on l'a arrêté parce qu'il arrêté parce qu'il a volé. Quand il souffre, c'est pas bon. Mais si tu souffres pour la parole de Dieu, Bible la Bible dit, c'est une grâce. Alléluia. Amen. Et c'est à cela que vous avez été appelé. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord? Ah, c'est à cela que vous avez été appelé. C'est à cela que vous avez été appelé. Parce que Christ aussi a souffert pour vous. Amen. Dites amen. Christ a souffert pour nous. Christ a souffert pour nous. Voyez? Vous voyez? Vous laissant un exemple afin que vous suiviez ces traces. Bien aimé. Il a souffert pour nous. Il nous a laissé un exemple afin que nous suivions ces traces. Lui qui n'a point commis des péchés. Et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui, injurié, ne rendait point d'injure, maltraité, ne faisait point de menace, mais s'en remettait. À celui qui juge justement. Amen. 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 Vous voyez? Dis que l'Anzambe Mokumba. Laisse la charge à Dieu.
Babundisi yo tikela nzambe mokumba. Laisse la responsabilité à Dieu. Bafingi yo tikela nzambe mokumba. Jiri laisse la responsabilité à Dieu. Baswanisi yo tikela nzambe mokumba. Laisse la responsabilité à Dieu. La tempérance. Komikanga. La tempérance. Komikanga. Mikanga. La tempérance. Il faut avoir la foi. Il faut avoir la foi. Il faut avoir la vertu. Il faut avoir la vertu. Il faut avoir la connaissance. Il faut avoir la connaissance. Il faut avoir la tempérance. Il doit aussi avoir la tempérance. Il faut que Jésus soit glorifié par toi. Lui, il est comment? Tu fais ceci, il ne parle pas. Tu lui fais cela, il ne s'en occupe pas. Il est comment? Tu es comme Jésus. Être comme Jésus. Nous sentons dans le temps, quand nous avons cru à Boinde, je ne sais pas si ici on a déjà chanté cela. Comme Jésus, alléluia, être comme Jésus. Oh, je vais être comme Jésus, durant toute ma vie. Être comme Jésus. Que Dieu vous bénisse. Être comme Jésus, être comme Jésus, tout au long du voyage de ma vie, de la terre à la gloire, je demande seulement à être comme Jésus. Oui. Qui veut demander à être comme Jésus? Si vous êtes là, demandez maintenant au Seigneur. Prions ensemble. Oh, Jésus de Nazareth. Thank you.
Tous à Cotondo, yo, pour la bolingo na yo. Te remercions pour ton amour. Natina, na kolobela biso. Parce que tu as parlé pour intervenir pour nous. Togo senga, oko kako bakisela biso, oyo moni et toza koko kate. Nous prions que tu puisses augmenter en nous ce dont nous sommes capables, incapables. Togo senga, opesa biso la connaissance de la vérité. Nous prions que tu puisses nous donner la connaissance de la vérité. Connaissance wana, cette connaissance-là, ce n'est pas important que la personne puisse passer par l'école. Cette connaissance, c'est là qui Pierre Ngolou. Tu as fait grâce à Pierre pour cette connaissance. Il pouvait comprendre qui tu es. Des fois, Bato Batanga Mingi pouvait être à ce jour-là. Des fois, ceux qui ont beaucoup étudié pouvaient être ce jour-là. Présence et abat docteur Luc et Zaladou. Tu as la présence de docteur Luc. Tu as voulu data souveraineté. Olinga kikati na bokonzi na yo. Pour révéler yango et pas ya musali na yo Pierre. Et tu puisses révéler cela à ton serviteur Pierre. Alléluia. Révélation yango koi kosuke pa na Pierre était. La révélation là ne pouvait pas se limiter à Pierre. Parce que l'Église est tout entière. Parce que toute l'Église. Ils allaient bâtir sur cette révélation. Et bâtir sur cette révélation. Sur cette connaissance. Sur cette connaissance. Koyeba mabena malam. Sachant les biens et les mal. Kososola, ce qui est faux et ce qui est vrai. Comprendre ce qui est faux et ce qui est vrai. Alléluia. Motakoyi koloba kaza na connaissance. On peut dire qu'il a la connaissance. Mais il acclame ce qui est faux. Kasiazota toleza lokuta. Il n'a pas encore cette révélation. Azu nanu emoni seli yango te. Pour révélation ko lakisayo likambo na lizali ma. La révélation te montrera cette chose. Révélation ko lakisayo likambo na lizali ma. Te montrera que cette chose là est bonne. Qui sera capable de tempérance? On voit en nous la tempérance. Tout quand on met tes mains. On puisse avoir la tempérance. Des légères afflictions du moment. Que bignon quand Mickey Mickey a ça ça y est. Ça va comparable à bon mengo et bon mélange. Ne sera pas comparable au bonheur que tu as réservé pour nous. Pambola pourquoi ya sika? Béni ce soir. Pambola Mussolinayo. Béni ton serviteur. Pambola Batonio se basa qui connecté. Béni toutes personnes qui étaient connectées. Adiakono va pambola ma. Les diacres soient bénis. A visiter, to pambolama. Le visiteur soit béni. Mwana mwasi a pambolama. Le fils soit béni. Mwana mobali a pambolama. Le frère soit béni. Toko bondela yo na tina na mosai na Joseph Lilanga. Nous te prions à ce sujet de ton serviteur Joseph Lilanga. Ou a ko béni séjour na ye na Mikili. Que tu puisses bénir son séjour en Europe. O pesa ye la bonne santé. Que tu puisses lui donner la bonne santé. Il puisse œuvrer conformément à l'ordre que tu as donné. Rajeunir, Moussaï, naïonde, konabise, que tu puisses rajeunir ton serviteur, notre frère Valfranc. Malgré le poids d'âge. Malgré le poids d'âge. Yosel, que tu fasses grâce. Pambola Israël, mboka nayo. Bénis Israël, ton peuple. Épouse parole par pièce sur toute la terre. Bénis au nom de Jésus-Christ. La terre soit bénie au nom de Jésus-Christ. En confirmation de ta parole, la belle union se tombe qui s'amène. Comme on est sur Christ. Tous nous sommes guéris au nom de Jésus-Christ. Très bien, tu as fait de grandes choses parmi nous. Tu as fait de grandes choses au milieu de nous. En guérissant les malades, en consolant les affligés, en donnant solution à tout problème. Que notre retour soit entre tes mains. S'il te plaira. Que le bien nous puissions être ici. Que le bien du haut des cieux. Que tu puisses nous parler du haut des cieux. L'honneur et la gloire reviendra à toi. Nous prions à tout moment. Au sujet de l'est de notre pays. Que tu puisses étendre ta main droite. Au calmer ton pète zali kokwe sa mboka na biso. Qui fait tomber notre pays. Que manifester bolingo na yo. Que tu puisses manifester ton amour. Merci Seigneur. Matoni kolo. To bondeli yo. Nous t'avons prié. Na komone Jésus Christ. Au nom du Seigneur Jésus Christ. Mes bien-aimés frères et sœurs, nous avons l'urgence. Nous allons prier ensemble pour notre bien-aimée sœur Odette Kambaji qui est malade. La situation est préoccupante. Nous allons élever nos voix vers le Seigneur. Ensemble, nous allons prier pour notre bien-aimée sœur. Prions ensemble, mes amis. Sona e do que na gente. Que me ocupa é de como a senhora dele, que é a baixa.
Tata na biso za na likolo. Notre Père qui est aux cieux. Zwa nkembo. Reçois l'honneur. Zwa lokumu. Reçois l'honneur, la gloire. Zwa masanzoli. Reçois la bénédiction, l'influence. Obongi na yango. Tu le mérites. Merci. Matondi. Otinda ki mwana na yo. Envoyez ton fils. Poete akufa na esika na biso. Puisse mourir à notre place. Seigneur. Kolo. Lisumu. Le péché. Eko zwa lisumu bokonzi. N'aura pas de pouvoir. Na kombo na Yesu. Au nom de Jésus. Maladie. La maladie. Nguya na ngwe ceci là. Le pouvoir est terminé. Na kombo na Yesu. Au nom de Jésus. Lipamboli eza ya biso. La bénédiction est pour nous. Seigneur. Kolo. Sala ete to kangama na yo. Que nous puissions nous attacher à Neti toi. Na yo yak. C'est pourquoi tu es venu. O yaki po bikis. Tu es venu pour guérir. Moto azanga ki bomo ibwa seko. Pour la vie éternelle. Mais yo yaki po pesa bomo ibwa seko. La vie éternelle. Merci pour la vie éternelle. Pour la bomo ya seko. Sunga biso tata. Et nous c'est père. Ezali biso ko kende. Là nous partons. Tozonga na bandako. Rentrant là nos maisons. Tozala na sengo. Nous sommes dans la joie. Ete mokolo moko. Ete un jour. Toko mona yo. Nous allons te voir. Oyo tolinga ye. Nous avons aimé. Nano tomona ye. Que nous n'avons pas vu. Mais kalamingite. Bientôt. Toko mona yo. Nous allons te voir. Merci. M'attendi. Pona kobiki sa sœur Odette. Nous avons guéri la sœur Odette. Merci. M'attendi. Pona kozwa mokumba ya moko moko na biso. Merci Seigneur. M'attendi nkolo. Pona kope sa solution. Nous avons donné la solution. Na pokwa oyo. Ce soir. Tondimiete. Nous avons cru. Opesi biso biyano. Nous avons répondu. Sunga biso. Aide-nous. Tozwa boyebi ya solo. Nous pouvons avoir la vraie connaissance. Sunga biso. Aide-nous. Nous avons maîtrise de soi. La maîtrise de soi. Pour yo le kaki nan zela wana. Tu es passé par là. Pour biso to lia to landa yo. Nous suivre ton exemple. Na kombo na Yesu. Au nom du Seigneur Jésus. Bon de libongo. Nous avons ainsi prié. Amen. 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 Veuillez vous mettre. Na sengi bino bofanda. Frère Ben, préparez-vous pour chanter le cantique. Demain que nous allons sortir. Wana biso to ko bima. Dans l'entretemps. Wana na. Nous avons une visite d'un bien-aimé frère. Molinga mi mokoye kota la biso ndokombane. Du nom de Jean-Claude. Comment est Jean-Claude? Serviteur de Dieu. Mosali na Nzambe. Venant de l'Angola. Aoti Angola. Il peut passer pour nous dire. Akole ka apesa biso mbote. Uniquement les salutations. Zelika bobele mbote. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Tikete Nzambe apambola bino. Je suis votre frère. Nazali ndeko na bino mobali. Jean-Claude. Jean-Claude. Je suis serviteur de Dieu. Nous avons Moussaï Nanzambe. Au tabernacle chrétien. Au tabernacle de Christo. Ville de Flore. Yamboka ya Flore. À Luanda. Na Luanda. Je vous transmets les salutations. Na memeli bino bambeto bambote abande kuna bino abasi pa mibali. Je suis ici pour la visite familiale. Nazali apona kotala bande kwa libota. Que Dieu bénisse richement. Tikete Nzambe pambola bino mingi. Je suis logé à l'hôtel Kana. Na fandi na hôtel Kana. 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 Boulevard. Na boulevard. Royal. Na Royal. Deuxième niveau. Tenemba. Kana. Na Royal. Boulevard. Boulevard de ton Dieu. Que Dieu bénisse. Frère Jean-Claude. Tu que te nzamba pambola on de mobali Jean-Claude. Nous, en, la semaine passée. Poso eleki. Je vous avais parlé de la mort du père et de papa de frère Lukuba. Le belak bino na tina liwa ya papa de ko Lukuba. Trois jours après. Si mami Kolomisatu. Sa grande sœur aussi est décédée. Ya na pa kufaki. Et j'apprends. Parce que je n'ai pas une chose officielle. J'apprends que les deux corps sortiraient demain. Et que la nuit d'aujourd'hui, c'est une nuit veillée mortuaire. Veillée mortuaire. Où ça, je ne sais pas. Toutefois, ça doit être la bumbu. Je n'ai pas la dresse, je n'ai rien. Je n'ai rien d'officiel. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Mokota yebitata soki mwana te obele epai na oyo mwana monisi emoniseli oyo ezangolu moto mokota yebi mwana soki tata te mokota yebitata
tata soki mwana te obele paina oyo mwana monisi e monise yoyo ezangolu bae banso tata pesinga bakoye paina mokota kuye painanga soki tata bendi ete kobenda moyo ezangolu ngolu na nzambe na moto ya ndi bae banso tata pesinga bakoye painanga mokota kuye painanga soki tata bendi oh, kobenda moyo ezangolu ngolu na nzambe na moto ya